Zinedine Zidane qui fait deux propositions pour le cas de l'entraîner l'équipe Real Madrid pour la saison 2023-2024. Brésil qui s'ouvre pour le nouveau sélectionneur. Pas déplacé, c'est pas mis point avec question fanatique. Nous parlons dans l'émission jeudi. Samedi qui se passe, l'équipe Haïti a crasé Montserrat 4-0 dans la Ligue des Nations de la CONCACAF. Buteur équipe haïtienne, c'est Duken Savo, Franzi Pierrot, Derrick Etienne et Mondi Gounier. Avec victoire, ça, équipe haïtienne a gagné 13 points. Et le tout monté dans la Ligue A, Ligue des Nations, saison 2023-2024, qui a commencé en septembre 2023. Haïti tout qualifié pour Gold Cup 2023 qui a fait dans le pays États-Unis, sorti 24 juin pour arriver 16 juillet. Pour Gold Cup 2023, ça, Haïti va le bon adversaire, 14 avril qui a venu là, parce que c'est date ça qui est bien. Pour faire tirage pour compétition c'est là. Basketball NBA, bonne nouvelle pour l'équipe Lakers parce que le bon James Sune, après le défait environ un mois, n'est pas du basket pour question blessure. Le bon James qui n'a défait l'équipe Lakers contre Chicago 118-108, fait 19 points, il prend 8 rebonds, et 3 passes décisives. L'équipe Lakers a même dans le moment n'a pas l'IA, qui a 37 victoires pour 38 défaites, le 9e dans la conférence West là. Et retourner le bon James pour l'équipe Lakers a bienvenu. Parce que l'équipe ça a une grosse bataille dans le moment pour qualification pour playoff à 2 semaines de fin saison régulière. Football en Europe, équipe Italia, bon joueur qui intéressait plusieurs clubs en Europe. Matteo Retegui, qui a joué dans le pays argentin, dans Tigre, que Boca Juniors prêtait, il fait en Argentine, mais il n'est pas en italien, c'est ça qui fait le jeu pour l'Italie. Il fait gol pour l'Italie dans deux premiers matchs qui jouent pour l'Italie. Selon les médias italiens, Sky Sport Italia, Inter de Milan, Atlético Madrid, c'est deux parmi clubs qui intéressaient pour ta jeune joueur italien. Joueur ça qui pour que j'aime jouer en Europe, qui bon la jouer dans la saison 2023-2024. Si le club y a bien pour négocier, c'est à Boca Juniors qui va négocier et non Tigre, côté la jouer dans le moment, parce que Boca prête là avec le club. Toujours en Europe, Zinedine Zidane prêt pour le venir entraîner l'équipe Real Madrid pour une troisième fois. Mais il pose des conditions. Selon les médias espagnols, la défense centrale, Zidane a deux raisons pour le retourner venir entraîner l'équipe Real Madrid. Première raison, pour le devenir préparateur physique, Grégory Dupont. Ça qui tout le dit, préparateur physique actuel, là, Antonio Pintus, qui a fait un bon travail dans l'équipe Real Madrid. Pas pour arrêter. Deuxième raison, Zidane Bay, c'est pour Eden Hazard qui a arrêté. Eden Hazard qui était venu dans Real Madrid pendant Zidane est là. Et Zidane quoi, jouer ça qui a toujours porté pour l'équipe Real Madrid là. Et venir dépend de retenir Eden Hazard. Zidane dans Real Madrid, est-ce que la bine pour le troisième mandat? Nous ne connaissons pas. Mais le dossier a fait chimel parce que le club de capital israélien est très intéressé pour le faire entraîner français à tourner, venir entraîner pour la saison 2023-2024. Toujours dans sa gameplay avec l'entraîneur, qui nouveau sélectionneur pour l'équipe Brésil là? Brésil, depuis après, on finit éliminé contre l'équipe Croatie dans la Coupe du Monde 2022, pour qu'on ait un nouveau sélectionneur. Ramon Menezes, c'est lui-même qui a battu un intérim, mais selon plusieurs médias espagnols et brésiliens, Brésil sous route pour le Carlo Ancelotti. Et Ronaldo Rodriguez, qui est président de la Confédération brésilienne de football, qui a parlé de l'entraîneur italien, lui dit Ancelotti n'a pas fait unanimité seulement, bon côté ancien joueur, il a parlé de Ronaldo R9, il dit qu'il y a un joueur dans l'équipe là qui a besoin d'Ancelotti, et lui-même, il a plus loin. Il dit qu'un pile fanatique côté li passé au Brésil qui voulait gagner Ancelotti. Entraîneur italien qui est contre la finie en juin 2024 avec l'équipe Real Madrid là. Mais depuis quelques temps là, mauvais résultat là dans le championnat espagnol surtout. Et puis finalité perdu dans la Super Coupe d'Espagne là. Il y a plusieurs noms capacités pour venir remplacer. Si toutefois il parle dans l'équipe Real Madrid là pour saison 2023-2024, il n'est pas prêt pour le jouer notre job parce que Ancelotti c'est favori à jeudi là pour venir entraîner l'équipe Brésil là. Avant d'aller pour question fanatique de Brésil, nous dans la dernière vidéo, il y a quelqu'un qui demande nous est-ce qu'il y a un gardien qui est entraîné déjà? Si oui, est-ce que vous faites succès avec l'équipe qui est entraînée? Pour répondre à cette question, ça charge les gardiens qui est entraîné déjà. Walter Zenga, Dino Zoff, Peter Shilton, Raymond Gauthaz, Jean-Michel Prudhomme. Tout gardien ça a été entraîné déjà. Mais pour question succès, ça va dépendre de qui ça équipe la demandé ou les saisons ont commencé et qui ça a fait. Dino Zoff, qui est pile monde qu'on est dans le gardien de ce titre là, qui était gardien pour l'équipe italienne, qui est entraîné Italie tout, qui fait finale Coupe d'Europe avec Italie, qui est champion Coupe d'Italie avec Juventus, qui est champion Coupe de l'UEFA avec Juventus. Entraîneur nous a dit que fait plus gros succès, c'est Raymond Gauthaz qui est champion Ligue des Champions avec Marseille en 1993. L'autre question, on a pris des amis qui demandent nous pour nous comparer Mesut Ozil avec Kevin De Bruyne. Qui est-ce qui peut conduire, qui est-ce qui peut grand joueur? Pour répondre à cette question, c'est deux joueurs qui ont un profil de jeu différent. Mesut Ozil lui-même qui est plus en élaboration, qui lui-même qui voit jouer à plus bien, qui plus de qualité technique, qui peut avancer par rapport à De Bruyne. Kevin De Bruyne lui-même, les bons joueurs qui plus direct et qui ont bon frappe de balle. Après, qui est-ce qui peut conduire? Si on regarde les côtés techniques, question, pensez Mesut Ozil qui avance. Façon de organiser les joueurs, la façon d'éclairer les joueurs pour l'équipe de jouer. Et pensez qu'ils sont plus bons organisateurs que Kevin De Bruyne. Mais Kevin De Bruyne lui-même, il y a une autre qualité qui a fait le débat. Même pensez Mesut Ozil
gagne en avance. Qui est-ce qui est plus grand joueur si on a regardé talent, accomplissement individuel et collectif et puis durée. Moi c'est là encore Ozil a un avantage parce que Ozil tout côté il passé, les n'a regardé rôle de meneur de jeu, il toujours fini meilleur passeur toute compétition il jouait. Que ce soit en Allemagne, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, avec l'équipe Real Madrid, dans la Ligue des Champions, dans la Coupe d'Europe des Nations et dans la Coupe du Monde, que le champion avec Allemagne, Kevin De Bruyne, même bon côté balle, pendant que je dis aux îles qui avancent, c'est qu'on voit avance parce qu'on croit lui-même, il y a un gros argument, parce que lui-même, tout, il finit meilleur parce qu'il y a plusieurs compétitions de jouer, bien que par une compétition internationale avec Belgique, on nous a toujours dit, mais aux îles qui jouent en Allemagne et Kevin De Bruyne, lui-même, qui joue en Belgique. Mais Kevin De Bruyne, c'est une génération qui est capable de prendre une Coupe d'Europe. Après, Kevin De Bruyne, il y a l'autre argument. Tout. C'est ça qu'elle me dit. Si Mesut Ozil devant le jeu, c'est pas un gros avance. Parce que Kevin De Bruyne, même son joueur qui, par rapport à la qualité, il y a un trophée individuel, il prend plus le trophée tout, collectif avec l'équipe Manchester City. Hein. Mais lui-même, tout joueur ça individuellement parlant, il fait gros podium déjà. Il fait podium Ballon d'Or, il fait podium meilleur joueur UEFA. Ça que Ozil n'a pas jamais fait lui-même. Et tout ça, il fait lui-même des arguments. Dans le débat, je pense que Kevin De Bruyne a toujours dépassé Mesut Ozil parce que Kevin De Bruyne a joué toujours pendant Mesut Ozil mais fait carrière parce que il a toujours pris un gros trophée collectif et puis tout, il a pris le trophée individuel. C'est avec les bonnes questions ça, n'a pas mis fin avec l'émission aujourd'hui ou même regarder, partager pour plus d'amis, n'a pas croisé, une prochaine fois.